Mettez-moi un peu sur le côté, s'il vous plaît, merci. N'importe quoi, c'est tout à l'heure, tu bouges, tu bouges. Tonio, c'est Tonio. C'est lui, c'est. Ça va ? Salut, ça va ? Bien, on peut poser la tête. Oui, moi je connais ma ligne. J'ai mes lunettes. C'est quoi là ce que je passe? C'est quoi? Par où je dois? Par où je dois? Dans les cinémas, pas des gommons,
Et vous avez tous sur votre siège un petit sac. Dans ce sac, vous allez trouver le bracelet. Donc je vous invite à mettre ce bracelet, à le mettre au poignet de vos enfants, en acheter, à en parler, à l'incorporer fièrement tout l'été, puisque les bénéfices seront versés à l'association Pantérin, qui soutient justement la préservation des mères. Donc c'est pour sauver. Voilà. Alors, je veux finir en remerciant tous les partenaires qui nous ont soutenus pour la promotion de ce film. Vous allez découvrir dans quelques minutes la version française et je veux remercier tous les talents qui font de cette version française une version absolument sublime. Certains d'entre eux nous font le plaisir d'être là ce soir et je laisse le plaisir à Jimmy de vous les présenter. Très bon film et merci encore. À toi, Kevin. Hélène et Tati, à l'instant, ils nous font plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, avec moi très chaleureusement, Alcia, qui fait sa voix à la. Sabrina Wazemi, à Hélène Jouy. Ryan Densetti, à Simba. Alban, Ivanov, à Kuba. Jeanne de Bouze, Simon. Et Jean Renaud, qui reprend sa voix. Ce n'est pas le même film, c'est le même film, mais ce n'est pas le même film. Il y a, comment dire, un réalisme, il y a une chose nouvelle que vous allez découvrir. Il y a une évolution de la technique qui n'était pas la même, je ne sais plus en quelle année, c'était l'autre. 94. Vous rendez compte, j'avais 18, j'avais cette année-là, c'est vrai, parce que je connais bien. Et donc, vous allez voir, parce que l'émotion est la même, l'histoire est la même, le rapport avec l'enfant est le même. Parce que c'est ça qui m'intéresse dans le rôle. J'ai monopolisé la parole, je vais parler pendant un quart d'heure au moins. Non, je vais laisser la parole à tout le monde. Vous allez vous éclater avec ce film. Et moi, je voulais dire que je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous, parce que vous êtes des gens formidables, vous êtes de vrais professionnels. Et je suis très flatté d'être avec vous. Et pour finir, je voudrais dire aussi que je remercie les équipes Disney, c'est la vérité, parce que je suis essoufflé, j'ai couru, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux il y a longtemps. Et j'ai eu le même plaisir, notamment avec Poilem, entre autres. Mais merci aux équipes Disney. Je suis un petit peu stressée. Allez-y, ils ont non, je suis très honorée et j'ai été très touchée d'avoir quand même proposé cette aventure. Et j'ai de la chance d'être si bien entourée. Et je suis très chanceuse, quoi. Voilà. Merci. Sabrina, je suis plus contente que vous. Vous avez un lien un peu particulier avec ce film. Racontez-nous. Bonsoir. Effectivement, c'est vrai que j'ai un lien particulier parce que c'est la première fois que je suis rentrée dans une station où j'ai découvert un grand écran, des fauteuils rouges. C'est la première fois que je suis allée au cinéma, c'était pour découvrir le Royaume. Ici Non, pas ici, pas au Grand Rex, hein, cinéma de la Courneuve. Double chance parce que première fois au cinéma pour découvrir le Roi Lion et première fois au cinéma avec ma maman. Première et seule fois. Voilà.
De la couleur au grand reste. Comment vous avez réagi quand on vous a annoncé? Tu peux le redire. Comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous allez jouer ce soir? Je vais vous faire vraiment en étape. En étape, j'ai crié, mais rien n'est sorti de l'ordre. Dans un second temps, j'avais trop d'énergie, donc j'ai tapé dans un lion. Vraiment, c'est pas une bêtise. Après, j'ai pleuré à chaud larmes. Et après, je suis allé dans le premier carrefour pour prendre le bouteille de champagne la plus pourrie et faire l'américain. Et j'ai tout explosé pour de vrai, sans voir une route, pour marquer le coup et lui dire là, c'est vraiment un pas dans ta vie. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis un petit peu. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends toujours pas compte. Je sais pas que derrière ce lion, ça fait pas grand chose. C'est fabuleux. Et avant, je voudrais juste pour finir avec vous deux, donc vous jouez ce super duo qu'on adore tous, Pumba et Timon. Je sais que d'habitude, dans les séances de voix, on enregistre seul, mais je sais pour la version anglaise, ils ont pu enregistrer à deux. C'était votre cas aussi, vous pouvez jouer un peu ensemble, tous les deux? Tout à fait, c'est vrai que... C'est génial, Ils n'ont pas pu jouer à deux avec Thomas. Sur mes duos, Chevalier Rasmorès. Non, c'est vrai quand on joue à deux, c'est toujours un ping-pong, un échange, et c'est toujours plus sympa pour la comédie, pour le rythme, pour la musique. Et puis c'était comme ça faisait aussi longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'était la bonne occasion aussi. Ce soir avec Jamel, nous avons encore pas mal d'argent. Jamel Club et des clubs, saison 4, je crois. Non, voilà, ça a été vraiment pour se faire plaisir. Voilà, moi aussi j'étais très content d'ailleurs qu'on m'ait proposé Bouma. Moi aussi j'ai eu la sensation en deux temps. La première, beaucoup de joie. Et la deuxième, je me suis dit, pourquoi le cochon? Une évidence, pourquoi ne pas cocher elle? Pourquoi pas si bas? Et j'espère que je l'ai bien fait. En tout cas, merci aussi à Disney de m'avoir fait confiance. J'ai évidemment été très touché quand on me propose de jouer Timon. En même temps, je n'ai pas été surpris pour dire la vérité. Ouais, je cherchais un suricat. C'est le seul livre dans la place. Et quand ils m'ont dit pour le faire cocher en allemand, alors là, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Un, de jouer avec la bande, surtout d'incarner un personnage dans le Roi Lion, c'est un classique. On a l'impression d'entrer dans la postérité quand on fait ça. Et puis c'est un film incroyable. On a vu la première, on connaît tous le Roi Lion, mais là on va le redécouvrir. C'est un film que vous n'avez jamais vu. Je ne dis pas de bêtises, hein. C'est extraordinaire de faire une voix dans ce Roi Lion. Merci énormément à vous tous. On a hâte de découvrir ce magnifique à votre fond de la salle. Et je vous souhaite tous à tous très fort applaudissement. Nous voyons. Je suis ici devant le cinéma Le Grand Rex, à la fin de l'avant-première du Roi Lion, pour assister à la sortie des artistes, des acteurs. Regardez bien!